révolution, c'est-à-dire sur une prétention à appliquer l'islam de façon juste. C'est-à-dire que dès lors que vous étiez membre de cette catégorie des descendants du prophète, si vous aviez un pouvoir que vous considériez comme injuste, vous aviez le droit d'aller le combattre. Et donc vous pouviez accéder au pouvoir de cette façon-là. Donc vous comprenez que le pouvoir était certes distribué selon un système qui n'était pas héréditaire, mais qui était entre les mains d'une catégorie bien particulière. Le système républicain.